Aujourd'hui, on a tendance à développer des choses sans forcément toujours prendre en compte les besoins des utilisateurs et des citoyens. Bonjour, je suis Mathilde Bras et je travaille chez Etalab en tant que chef de projet gouvernement ouvert et innovation ouverte. Etalab, c'est une mission qui dépend du Premier ministre et qui est en charge de l'ouverture et la circulation des données publiques. Mon rôle chez Etalab, il est multiple. On est une équipe pluridisciplinaire avec des profils techniques, des profils chefs de projet. Et moi, je suis particulièrement en charge d'un programme qui s'appelle Entrepreneur d'intérêt général et qui consiste à faire venir dans l'État des compétences de l'extérieur, des compétences numériques, afin qu'ils puissent relever des défis de transformation numérique dans les ministères. Je me suis intéressée au numérique lors de mon année à l'étranger. J'étais aux États-Unis et c'était l'époque du printemps arabe. Et c'est là que le numérique est venu alimenter les questions de démocratie. Alors, les qualités indispensables, je dirais, pour travailler au sein d'Etalab, c'est d'être en capacité de comprendre à la fois des enjeux très techniques autour de la donnée, de l'informatique, du développement, des SI, et d'avoir également un regard un peu plus politique, stratégique, autour de l'action de l'État. C'est être en capacité d'écouter les administrations, vu qu'Etalab accompagne les administrations dans leur transformation. Il faut être en capacité de comprendre leurs besoins, d'y répondre de manière toujours spécifique et de délivrer des produits et des services qui puissent les satisfaire. Être en capacité de se renouveler sans arrêt. Il n'y a pas une innovation publique, il y en a plusieurs. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'être en contact avec les communautés.